je m'appelle Lydia Calatayud Pistolet. Donc, je fais partie, je suis mandataire indépendante immobilier, dans l'immobilier. J'ai trouvé le cercle des langues via Internet en recherchant et j'ai vu les avis parce qu'il est très important de regarder les avis. Il y avait tellement de bons avis, on va dire, ça m'a encouragée de dire bon, bah, j'ai fait le pas parce que c'est pas toujours évident avec le métier qu'on a, on n'a pas beaucoup de disponibilité. Donc, je me suis renseignée et ça convenait tout à fait au produit que je recherchais pour apprendre l'anglais. Oui, je pense que maintenant tout le monde devrait être bilingue. C'est hyper important, surtout dans toute entreprise. On est ouvert hein, à l'Europe, on est ouvert à l'international, surtout dans l'immobilier. Moi, je fais partie d'un réseau qui est ouvert à l'international, donc il m'était nécessaire et impératif que je puisse pouvoir m'exprimer, enfin, que je puisse m'exprimer en anglais. Et j'ai fait que ça. Mais il faut faire que ça. Et puis, j'en ai pensé du bien. Le e-learning, ben, c'est devenu une habitude maintenant. On apprend beaucoup plus, enfin mieux en e-learning parce qu'on se rend disponible au moment où on a envie. C'est-à-dire qu'on est libre, et ça c'est le top, je dis, par exemple le soir, on se dit voilà, j'ai le temps. Les enfants, par exemple, ils sont couchés, j'ai pas de clients qui m'appellent. Voilà, j'ai le temps de travailler sur mes exercices et c'est très intuitif. Oui, parce que bon, il y en a pas mal, hein, il y a beaucoup de concurrence, mais le cercle des langues, c'est dynamique. Il y a du dynamisme, il y a de l'écoute, c'est très important, on nous rassure, il n'y a pas de jugement. Et voilà, donc on est libre, il y a la liberté de pouvoir apprendre sans contrainte, on va dire. Puis il y a beaucoup de possibilités pour pouvoir y adhérer au niveau financement aussi. Yes, enjoy the rest of your day.